ensuite je suis parti. La prochaine fois, faites pas de bêtises. Ah oui, on dirait que vous avez été au café avec lui. Non, je vais non. La bottina. Faites-le moins sortir, il manque de respect à l'esprit du grand maître Conan en faisant ça. Je ne veux pas qu'il assiste à ses funérailles. Mais pourquoi on ne peut pas venir, c'est un padawan, et je pense que la mort du maître Conan a un peu bouché, donc on nous en a laissé pour raison. Malheureusement, j'ai dit nous en parler. Oui, je comprends que ça vous ait touché, personnellement j'ai versé une larme. Ah. Messieurs, mesdames, mes enfants, mes Jedi, mes padawan, mes Jedi, mes chevaliers, mes consulaires. Les érudits, c'est les meilleurs. Et plus, je ne vais pas citer chaque spécialisation. Aujourd'hui est arrivé un drame. Quelque chose qui n'arrive qu'une fois dans une vie. Quelque chose qui, on l'espère, arrive le plus rarement. Quelque chose qui, malheureusement, personne ne l'a souhaité. Le grand maître Conan est décédé, est peut-être parti, ou nous a laissé. Cependant, n'oubliez jamais qui elle a été, ce qu'elle a réellement fait. Elle a toujours voué sa vie à l'ordre Jedi, nous a aidés, nous a épaulés. C'était une personne qui a toujours eu grand cœur, grand fond, et qui a su garder son sang-froid au pire des situations. Elle s'est rendue présente, s'est rendue active, et a toujours souhaité, au fond, notre bien. Si ici, vous êtes arrivé là, si ici le maître Ryo est maître, c'est grâce à elle. Si ici, le maître Kyle est maître, c'est grâce à elle. La grand maître Conan est une personne qui nous a menés jusqu'au sommet et qui a continué, malheureusement, et même si elle savait ce qui allait se passer, dans l'apprentissage de la force. On ne sait peut-être pas réellement quelles étaient ses intentions. On ne sait peut-être pas réellement si elle savait ce qui allait se passer. Mais on savait qu'elle était prête. Il fallait avouer sa vie pour chacun d'entre nous, que ça soit individuellement ou pas. Elle a toujours tout fait pour nous mener au sommet. Si aujourd'hui l'ordre Jedi se porte aussi bien, c'est grâce à elle. C'est une personne qui, pour moi, a réellement été comme une sœur, voire une mère. Comme beaucoup d'entre vous le savent, j'ai certains problèmes. Et c'est le grand maître Conan qui m'a permis de les accepter. Et de vivre avec et de les rendre plus forts. Aujourd'hui est un drame. Aujourd'hui nous sommes en deuil. Aujourd'hui certains d'entre vous pensent devoir perdre espoir, mais justement non. En sa mémoire et en sa volonté, nous serons plus forts. Vous avez un sabre laser. Vous avez voué allégeance à l'ordre Jedi. Vous avez dit vouloir éliminer le côté obscur de chacun de vos moyens, que ce soit par le combat, par la parole, par la connaissance. Chacun d'entre vous ici contribue au bon fonctionnement de l'ordre. Et même le grand maître Conan Defa, nous arriverons encore à pouvoir aider ce côté. Nous avons notre part à jouer là-dedans. Faisons en sorte qu'elle ne soit pas morte en vain. C'est un événement tragique, mais relevons-nous plus fort. Tous les jours, des centaines de républicains meurent. Et au final, nous nous relevons, nous les aidons, nous faisons en sorte qu'ils ne soient pas morts en vain. Et c'est par mon entière dévotion, et par mon entière tristesse, grand maître Conan, de là où vous êtes, j'espère que vous m'entendez. J'espère que vous me suivrez tous, que la force soit avec vous. Que la force soit avec vous. Que la force soit avec vous.
Que la force soit avec vous, ainsi les pointis.